I woke up at 3. Donc je me suis réveillée à 3 heures du matin. Was pulled out of my body. J'ai été retirée de mon corps. And just found myself in a prison cell in Et je me suis retrouvée en un instant dans une cellule de prison. Just like you would imagine a prison cell. Exactement une cellule de prison comme vous pouvez l'imaginer. With rough-hewn stone walls and Avec bars. Avec des pierres taillées, tout était brut, tout était à l'état brut. I was fully awake and cognizant. I was not dreaming. J'étais pas en train de rêver, j'étais totalement réveillée et conscient. I couldn't believe I was actually in this place. Et je ne pouvais même pas croire que je me trouvais dans cet endroit. Nothing was explained to me until the way back. Rien ne m'a été expliqué jusqu'à ce que je retourne dans mon corps. I had no idea how I got there or why I was there. Je ne savais absolument pas pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je faisais là et comment j'étais arrivé là. In the prison cell, dans cette cellule de prison, it was filthy, dirty and stinking. C'était sale, ça sentait mauvais, c'était sombre. And the heat, it was so unbearably Et la hot. Chaleur était absolument intolérable. I wondered how could I be alive in this heat. Je me demandais comment est-ce que je pouvais encore vivre et survivre dans une telle chaleur. In hell, you have no strength. Et vous savez, en enfer, vous n'avez aucune force. Isaiah 14, 9 and 10. Ésaïe 14, 9, 10. Psalms 88, 4. Psaume 88, 4. Talk about no strength. Parle du fait que nous n'avons aucune force. That might not sound like a big deal. Ça vous semble peut-être pas très important. But if you ever remember having a flu or being sick. Mais si vous vous rappelez quand vous avez été malade, vous avez eu la fièvre. And you feel real weak. Vous vous sentez vraiment faible. It's 1,000 times worse. C'est 1,000 fois pire. One demon picked me up. Un démon m'a pris. Threw me into the wall. Il m'a jeté contre le mur. With tremendous strength. Avec une force incroyable. And I collapsed. I hit the wall and my bones broke. Je me suis effondré après avoir été frappé contre le mur. J'ai eu le sentiment que mes os se brisaient. I wondered how could I be alive. Je me demandais comment est-ce que je restais encore en vie. It's real pain. C'est de la véritable souffrance. The other demon. L'autre démon. Picked me up and dug its claws into my chest. Il m'a pris et il a fait rentrer ses griffes dans ma poitrine. And it shredded my flesh. Et il a déchiré ma chair. But I was still alive. Et cependant, je restais encore vivant. The flesh hanging. La chair était en train de pendre. And there was no blood or water Mais coming il n'y avait from the wounds. Aucun sang, aucune eau qui sortait de mes blessures. Wanted mercy. Je demandais vraiment miséricorde. But they have no mercy. Mais ici, il n'y avait aucune miséricorde. They hate you. Ils vous détestent. And they hate God. Ils détestent Dieu. It went so dark. Les ténèbres sont devenues tellement sombres. And I crawled out of the cell. Et moi, j'ai rampé dans ma cellule. It took so much effort just to crawl. Et cela m'a demandé de tels efforts simplement de ramper. I was exhausted. J'étais épuisé. And it was so dark in hell. Et c'est tellement sombre en enfer. Absolute pitch black. C'est vraiment des ténèbres noires. But darker than we've experienced on the earth. Mais beaucoup plus noir que le noir que vous pouvez connaître sur la terre. I was placed next to this pit of fire about a mile across. J'étais amené tout proche d'une immense fosse de feu. Flames raging hundreds of feet in Et the air. Et il y avait des flammes qui montaient, vraiment des flammes rugissantes qui montaient à des centaines de mètres. And this is where I could first see people. Et c'est là où pour la première fois j'ai pu voir des gens. There were people screaming at the top of their lungs. Là, il y avait des gens qui hurlaient. They were skeleton form. C'était des gens qui sous forme de squelettes. No flesh left on their bodies. Il n'y avait plus de chair qui était restée sur leur corps. Just pieces hanging. Il y avait des lambeaux de chair qui pendaient. And people were burning. Et les gens brûlaient. Screaming in pain. Hurlaient. Dans la douleur. It was so loud. Et le bruit était tellement fort. I wanted to get away from the sound. Que je voulais m'éloigner à cause du bruit. When I was seeing the people by the fire. Et lorsque j'ai vu les gens autour de ce feu, là, dans ce feu. There were demonic creatures all around the edge. Il y avait aussi des créatures démoniaques tout autour. They were all sizes and shapes. Elles avaient toutes des formes et des tailles différentes. Some were 12 or 13 feet tall. Certains faisaient 4 mètres de haut. Four meters. Certains faisaient jusqu'à 4 mètres de haut. That's not an exaggeration. Et quand je vous dis cela, je ne suis pas en train d'exagérer. I remembered my wife up on the earth. Et lorsque j'étais là-bas, donc je me souvenais de tout. Je me suis rappelé très bien de ma femme sur terre. I thought about her. Je pensais à elle. That she would never know where I was at. Et je pensais aussi qu'elle ne saurait jamais où est-ce que je suis. And I could never get to her. Et que je pourrais jamais la retrouver. People don't realize there's a whole world going on down there. Parce que la plupart des gens qui vivent sur terre ne réalisent pas qu'il y a tout un monde sous la terre. Because they rejected Jesus. Parce que ces gens, ils ont rejeté Jésus durant leur vie. A wrong decision. Ils ont pris de mauvaises décisions. Cost them eternity.
eternity. Qui leur a coûté leur éternité. But there's not enough air to breathe either. Mais en plus de cela, il n'y a pas suffisamment d'air à respirer. You can't take a deep breath like. Vous pouvez pas prendre une grande respiration. There's not enough air. Non, parce que là-bas il n'y a pas d'air. This is, I'll demonstrate to you, this is how you breathe in hell. Je vais vous montrer maintenant exactement comment vous respirez là-bas. It's like. Like that. Comme cela. I wanted a drop of water. Je rêvais d'une goutte d'eau. Just one drop would have been so precious. Juste une goutte d'eau aurait été si précieuse. This bright light. Il y a eu une immense lumière showed up in this tunnel. Brillante qui est venue dans le tunnel. As soon as it showed up, et à l'instant où cette lumière a brillé, I knew immediately who it was. J'ai su instantanément qui c'était. I knew it was Jesus. Je savais que c'était Jésus. You didn't have to ask any questions. Vous n'avez pas besoin de poser aucune question. You knew this is the Almighty God. Vous savez que c'est le Dieu vivant et puissant. Amen. Stay out of hell. Et c'est comme ça que jamais nous n'irons en enfer. But if you want to ignore the Bible, mais si vous voulez ignorer la Bible, and trust your own intuition, si vous voulez suivre simplement votre propre intuition, you will find out you will be wrong. Vous allez découvrir que vous avez tort. And God was right. Et que Dieu lui a raison. Stay off the bad road. Et pourquoi nous devons pas aller sur ce mauvais chemin? I began ascending up this tunnel. J'ai commencé à monter. The Lord began picking me up. Dans un tunnel, et en fait, c'était le Seigneur qui commençait à me prendre. But I didn't know it was the Lord then. Moi, je savais pas à ce moment-là que c'était le Seigneur. I was looking at all the people burning. Je regardais à tous ces gens qui brûlaient. And I was feeling so alone. Et je me sentais tellement seul. Not, you can never talk to anyone. Je ne pouvais absolument parler à personne. I thought about my life up on the earth. Je pensais à ma vie sur la terre. Quelle autre torture les démons vous ont infligée? What other torture did the demons do to you? Well, besides the one that dug its claws into my chest. À part celle d'avoir planté donc les griffes dans ma poitrine et m'avoir arraché la chair. And tore the flesh open. Et de m'avoir donc ouvert la poitrine. He had about one foot long claws about this long. Yes, il avait donc. Yeah. And tore the flesh. The other one grabbed my head and crushed it flat. Un autre en fait a pris ma tête et il l'a écrasé. I wondered how I could be alive. Je me demandais comment est-ce que je pouvais rester en vie. With my head flat. Avec ma tête littéralement aplatie. But I was alive. Mais j'étais vivant. Two more walked into the cell. Deux autres démons sont entrés dans la cellule. I didn't actually see them. Je ne les ai pas vus. I just sensed there were two. J'ai ressenti leur présence. They each grabbed an arm and a leg. Et ils ont pris l'un et l'autre mes bras et mes jambes. They stretched me out on the floor. Et ils ont commencé à and they were going to pull my legs and arms off. M'écarteler en fait par terre. Just when they went to pull them off. Et alors qu'ils étaient sur le point vraiment de m'arracher. Something grabbed me and took me out of the cell. Quelque chose à ce moment-là m'a pris et m'a fait sortir de la cellule. Which that was the Lord. Et c'était le Seigneur. Avez-vous vu des enfants en enfer? Did you see children in hell? No, I did not. Non, je n'ai pas vu d'enfants en enfer. The skeleton forms I saw of people. Les formes de gens que j'ai vus qui étaient sous forme de squelettes were adult-sized skeletons. Avaient donc des squelettes de taille adulte. The screams I was listening to les cris, les hurlements que j'ai entendus were adult-sounding screams. Étaient des cris qui avaient donc des voix d'adultes. You can tell a difference from a child vous savez, screaming on peut vraiment faire la différence entre un enfant qui crie compared to an adult et un adulte qui crie. And there were no children screams. Et il n'y avait aucun cri d'enfant. Plus, I had an understanding that there were no children there. En plus, j'avais la connaissance, la compréhension qu'il n'y avait pas d'enfants en enfer. I don't know how I knew that. Je ne sais pas comment je savais cela. But your senses are keener. Mais vos sens sont beaucoup plus fins, beaucoup plus. You have a little more understanding. Et vous avez une plus grande compréhension. I could give you an example. Je peux vous donner un exemple. Like Abraham and the rich man. Abraham et l'homme riche. In Luke 16. Dans Luc 16. It was a great gulf fix separating the two. La Bible dit qu'il y avait un grand golfe, il y avait une grande séparation qui les séparait, Abraham et they were separated
by a great distance. L'homme riche, ils étaient séparés par un grand golf. With a lot of smoke. Il y avait beaucoup de fumée. Hein. But yet, the rich man. Et cependant, l'homme riche. Recognized Abraham and Lazarus. Qui était là pouvait voir Abraham et Lazare. How would he know who Abraham looked like? Maintenant, je vous demande comment est-ce qu'il savait à quoi ressemblait Abraham? He probably never met Abraham. Probablement, il ne l'avait jamais rencontré. And how would he recognize Lazarus? Comment est-ce qu'il pouvait reconnaître Lazare? He just happened to know. Mais il savait. So it's just an indication. Ce qui est une indication. In that scripture. Donc, par et notamment au travers de ces versets. That you have a more of an understanding. Que dans le monde spirituel, en fait, vous avez vraiment la compréhension des choses spirituelles. Vous le savez, hein, vous connaissez les choses. Avec un tel niveau de peur et de terreur, est-ce que les gens deviennent fous au ciel? Est-ce qu'ils perdent la raison? With such great fear and terror, do people go insane in hell? I don't believe they do. Je ne pense pas. Because it would be a form of escape. Parce que ce serait une façon de s'échapper, ce serait une issue. If you went insane, you would not realize where si you were. Si vous devenez fou, si vous perdez la raison, vous n'avez plus conscience and de ce qui se passe. And the rich man, et l'homme riche, he conversed with Abraham. En fait, il a eu une conversation avec Abraham. He asked questions. Il lui a posé des questions. He seemed like he was in his right mind. Et on voit bien dans la Bible qu'il avait toute sa raison. He wanted to send back Lazarus. Il voulait renvoyer Lazare. To warn his brothers. Et que Lazare retourne dans sa famille et notamment vers ses frères. And he understood if they would repent. Parce qu'il comprenait que s'ils se repentaient sur they la would terre. Not come there. Il ne viendrait pas en enfer. That's what he said. Et c'est pourquoi il a dit. So he had to have reason. C'est pour cela, donc, il avait toute sa raison. To understand that. Il comprenait les choses. Comment est-ce que l'expérience a changé votre vie? How did that experience change your life? Well, when I first came back. Donc, premièrement, lorsque je suis revenu. Especially the first year. Premièrement, la première année. Hein, I wanted to witness to everybody that moved. Je voulais témoigner à tout ce qui bougeait. It gave me an extreme desire. Dieu m'a donné cette expérience m'a donné un désir extrême. To warn people. D'avertir les gens. Look at a crowd of people. J'ai regardé donc à une foule de gens. And think most people don't know God. Et j'ai pensé mon Dieu la plupart des gens ne connaissent pas Dieu. And they're going to go to hell. Ils vont aller en enfer. And maybe I can say something. Peut-être que moi je peux dire quelque chose. To help convince them. Pour les convaincre. That hell's real. Que l'enfer est réel. And they don't want to go there. Et qu'ils ne doivent pas aller là-bas. So I had a desire. Donc j'avais le désir. To talk to everyone. De parler à chaque personne. I didn't want to tell them my experience. Je ne voulais pas raconter mon expérience. I just wanted to share with them about Jesus. Je voulais simplement leur parler de Jésus. But there's a judgment to come. Mais il y a un jugement à venir. And there's a real hell. Et il y a un vrai enfer. And they cannot go there. Et ils ne peuvent pas. It is so bad. Ils ne doivent pas y aller. That they wouldn't want their worst enemy to go there. C'est si terrible qu'ils ne veulent même pas que leur pire ennemi y aille. That's the desire I had. C'est ce désir qui était en moi. And that's the desire we should all have. Et c'est ce désir, en fait, que nous devons tous avoir. That's what God wants us to get. C'est ce que Dieu veut que nous ayons. That fire. Il ne veut que nous ayons le feu. That passion for the lost. La passion pour les perdus. To go after them. Aller les chercher. With all our strength. De toute notre force. And try to convince them. Et de les convaincre. Of the truth. De la vérité. So that's what how my life changed. Et c'est vraiment ce qui a changé, transformé ma vie. It's caused me to leave my job. Cela fait que j'ai quitté mon travail maintenant. Changed my career. J'ai changé ma carrière. I was a real estate broker for 38 years. J'ai été pendant 38 ans un agent immobilier. And to quit and go and preach the gospel. Et pour arrêter, abandonner et aller prêcher l'évangile. Amen. That's what it's given me. Maintenant, the desire to ça a vraiment changé ma vie et c'est le désir que Dieu a mis dans mon cœur. So if we could all get that a, donc, si a tous picture, nous pouvons recevoir cette passion, and get that passion for recevoir the lost, cette passion that's what God wants. Pour les perdus, c'est ce que Dieu veut.